Bonjour tout le monde et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je remercie l'équipe Krayat Dar, spécialement mon ami Badr Boulak, pour m'avoir privilégié avec cet instant avec les jeunes. En fait, notre sujet d'aujourd'hui, il peut s'avérer peut-être dans un peu de temps un sujet d'actualité vu les circonstances actuelles. Le principe, c'est qu'il faut garder le mental et le moral et de prendre le taureau par les cornes et continuer dans sa lancée de gestion de carrière. Voilà, donc je voudrais commencer par une citation que j'aime beaucoup. Une citation. Voilà. The only person you are destined to become is the person you decide to be. Elle a été dite par cette phrase magnifique par Ralph Waldo Emerson, un philosophe de renom. Donc voilà, c'est pour vous dire que chacun de nous a son destin en main, qu'il existe des facteurs internes et externes, mais les facteurs externes de la réussite sont les plus déterminants. On doit prendre notre destin par notre main. Dans ce domaine de carrière, d'emploi, il y a beaucoup de choses qui se disent, le piston, etc. Mais moi, je suis plus un praticien de la gestion de carrière que théoricien. Mais ça ne veut pas dire que théoricien, c'est quelque chose de négatif, mais juste pour vous dire que ce que j'ai appris en exerçant le métier de responsable de Carry Center m'a appris beaucoup de choses que je mets à la disposition des jeunes. Je peux vous garantir que peut-être 90% des gens qui obtiennent des emplois n'ont été épaulés ni par leur papa, ni par leur maman, ni par leur oncle, mais par leur propre initiative. Le mot piston veut dire également quelque chose de autre, ça peut également dire le réseau. Si vous voulez dire que le réseau est un piston, donc c'est pas grave, il faut le dire. Donc on passe à la définition de deux termes très importants. C'est le terme carrière et le terme emploi. Le terme carrière, ça concerne surtout le futur, les projets de carrière, l'évolution de carrière. On commence petit, on commence à grandir par la force on travaille sur soi-même, les formations, le relationnel, la culture générale. Carrière veut également dire projet professionnel. Une carrière, ça se planifie, ça se décide. J'ai vu beaucoup de gens qui avaient un plan de carrière, un projet professionnel étalé sur 5 ans et qu'il a été renouvelé après 5 ans. Carrière veut aussi dire, c'est mettre à jour ses compétences. Il y a quelqu'un qui avait dit un jour que si on met pas à jour nos compétences après 8 mois, on devient obsolète, on sert plus à rien. L'emploi veut dire quelque chose d'autre. L'emploi, c'est ce que vous faites chaque jour, c'est votre poste actuel. Vous allez au travail, vous revenez, etc. Donc ça, c'est l'emploi. Donc j'espère que la distinction entre carrière et emploi est claire maintenant. Cette partie de l'auto-évaluation, moi, à cause du manque de temps, moi, ce que je vous propose, tous les amis qui sont connectés avec moi, c'est de prendre une capture d'écran de cette auto-évaluation et de la partager après avec un ami. Et on discutait. Ça aurait pu être mieux peut-être avec un coach, mais même quelqu'un qui vous connaît très bien peut vous aider à éclaircir vos idées. Donc les questions essentielles qu'on doit se poser, qu'est-ce qui nous motive, quelles sont nos valeurs. Parmi les questions qu'on pose dans un entretien d'embauche, écran noir, pardon. Parmi les questions qu'on devrait se poser, qu'est-ce qui nous motive? Quelles sont nos valeurs? Parmi les questions qui se posent dans un entretien d'embauche, donc l'écran est parti.
C'est bon, vous arrivez à voir l'écran? Attendez, l'écran qui est. Est-ce que vous voyez l'écran? Non, quand je tape ici, l'écran il part. Vous arrivez à voir l'écran? Donc voilà, parmi les questions qui sont posées dans un entretien d'embauche, quelles sont vos valeurs? Malheureusement, la plupart du temps, les gens ils savent pas répondre à cette question. Et là, c'est très important. Vous pouvez pas vivre votre vie sans avoir de valeurs. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui priorise la famille? Est-ce que vous êtes en train une personne dont les priorités, c'est l'intégrité, c'est peut-être la ponctualité, l'amitié, etc. Donc, c'est des choses que vous devez avoir en tête, non seulement pour c'est-à-dire bien répondre à un entretien, mais c'est très important, ça reflète quelque chose de très positif sur vous. Quels sont vos atouts uniques? Il y a 6 milliards peut-être d'êtres humains sur Terre, nous avons tous et toutes des empreintes différentes, donc vous devez avoir sûrement ces atouts uniques. Et si vous les connaissez pas, peut-être ça peut arriver. Vous pouvez demander à quelqu'un qui vous connaît très bien, vous lui dites qu'est-ce que vous pensez que j'ai comme atout unique. Donc il va vous poser un certain question. Vous allez surtout sortir avec une idée sur votre atout unique. Quels sont vos besoins? Est-ce que vous avez besoin de stabilité? Est-ce que vous avez besoin de challenge? Est-ce que vous sentez le besoin de prendre des risques? Qu'est-ce que vous avez réalisé? C'est très important. Le bilan. Là, c'est un petit retour en arrière. Qu'est-ce que vous avez réalisé dans votre vie? Et là, c'est très important. Il faut jamais sous-estimer ce qu'on a fait dans la vie. C'est-à-dire, vous avez aidé. Je vais dire n'importe quoi. Vous avez aidé une vieille femme à traverser la rue. Ben, pour moi, c'est une réalisation magnifique parce que là. Vous avez fait preuve d'empathie, mais ça peut être également un projet. Vous avez géré un projet de changement de fournisseur de transport, qui est une opération assez délicate pour votre entreprise. Il fallait faire beaucoup de calculs, beaucoup d'analyses, etc. Donc ça c'est également une réalisation. Il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie, c'est clair. Et comment préférez-vous être récompensé? Ça peut être une récompense. Vous pouvez prioriser la récompense matérielle, c'est légitime, parce que l'être humain, quand il travaille, c'est vrai, il travaille peut-être par passion, par amour du travail, mais parfois, l'être humain, il y a des personnes qui priorisent autre chose, qui priorisent, par exemple, la reconnaissance. Est-ce que pour vous, être récompensé, c'est quand on parle de vous dans un email envoyé à tout le monde, et là on vous félicite de votre, ou quand on vous félicite en aparté par votre 1 plus 1 ou le président, etc. Et la dernière question, quels sont les environnements où vous épanouissez le mieux? Vous pouvez parler de, est-ce que vous êtes mieux dans la chaîne de production, dans un bureau climatisé, dans un open space, dans un bureau fermé, etc. Donc, il est très, est-ce que vous voulez être entouré de beaucoup de d'amis, de une grande équipe, petite équipe restreinte, ou vous préférez peut-être travailler en binôme, etc. Donc, ces questions-là, je vous invite à prendre le temps avec quelqu'un qui vous connaît bien et puis les discuter. D'accord? Je suis en train de regarder s'il y a des questions en même temps. Donc, je passe à la slide suivante, si vous voulez bien. Là, voilà. Parlons du CV. C'est le sujet parfois qui revient beaucoup dans cette question des centres de carrière. Le CV, c'est le document qui parlera de vous en premier. Donc, beaucoup de gens se demandent c'est quoi le rôle du CV. Le CV, il n'est pas là pour le CV, le rôle du CV n'est pas de vous ramener du travail, mais de, c'est l'objectif immédiat du CV,
c'est de réussir à être convoqué pour un entretien. Et là, il y a beaucoup d'idées reçues sur le CV. Parfois, on conseille les jeunes de ne pas mettre tout leur background, toute leur expérience dans un CV. Moi, je suis pas d'accord. Un CV, moi, je donne l'exemple d'un jeu de cartes où les gens étalent leurs cartes. Si vous refusez de parler d'une expérience probante en entreprise ou d'une compétence, parce que vous pensez que 15 CV doit être très light, très léger, non, c'est faux. Parce que si vous le faites pas, quelqu'un d'autre va le faire. Il va être convoqué et vous, malheureusement, non. Donc, dans un CV, il y a également la question de la photo. Dans les pays anglo-saxons, la photo n'est pas obligatoire. Peut-être c'est même pas conseillé de qu'elle soit présente sur votre CV. Mais dans la tradition disons de notre pays et dans beaucoup de pays, la photo elle est presque obligatoire. On a envie de vous voir peut-être, c'est gentil. Et regarde la photo. Moi, j'ai mis des photos avec une photo selfie, une photo avec un background avec des fleurs ou un arbre, ou une photo avec une tenue légère, une coiffure légère. S'il vous plaît, soit vous mettez une photo professionnelle, soit vous ne mettez rien. Il y a des gens qui investissent carrément, qui vont chez un photographe professionnel et qui se font prendre pour une photo. Cette photo qui est la même sur votre compte LinkedIn, on va revenir à LinkedIn plus tard. Donc, le contenu de votre CV. Là, je suis en train de parler en termes de, c'est-à-dire, comment est-ce qu'il est organisé. Donc, il y a le titre qui doit contenir votre nom, prénom, et en dessous, il y a votre, si vous êtes fraîchement diplômé, vous mettez votre diplôme et votre filière. Je dis, par exemple, XY, mademoiselle ou madame XY, master en management, spécialité marketing ou option marketing opérationnel ou général, etc. Ou ingénieur industriel, option logistique. Donc ça, c'est le titre. Si vous êtes en exercice en poste, donc c'est votre nom, prénom, votre diplôme et votre poste actuel. Et monsieur XY, ingénieur d'État, génie industriel, gestionnaire de comptes, de grands comptes ou quelque chose comme ça. Donc, et pour cette pour la rubrique suivante, compétences clés, Hadi, soit vous la mettez après expérience ou après formation, soit elle vient après, juste après le titre. Je vais juste vous dire dans quelles circonstances doit venir sous le titre. Si vous avez une candidature ciblée, c'est-à-dire vous avez lu une offre d'emploi qui zoome sur certaines compétences et que vous avez peur que votre profil ne soit pas pris en considération parce que peut-être vous avez un diplôme, mais vous avez également des compétences. Donc, vous commencez avec compétences clés pour accrocher le recruteur potentiel. Donc, dès qu'il verra vos compétences clés, donc vous allez l'encourager à continuer à lire votre CV. Là, j'ai beaucoup d'amis dans l'industrie du recrutement. Un jour, j'avais posé la question à une personne de ce secteur. Je lui ai dit, pour vous, c'est quoi un bon CV? Très simplement, elle m'a dit, un bon CV pour moi est un CV qui est facile à lire. Donc, s'il vous plaît, les rubriques doivent être claires sur votre CV. Titre, compétences clés, expérience, formation universitaire, formation continue, etc. Donc, les rubriques, tout d'abord, les rubriques doivent être claires. Et quand je parle permettez-moi de revenir un petit peu en arrière, quand je parle de titre, n'oubliez pas vos coordonnées.
coordonnées qui doivent être placées à gauche en police, peut-être très petite police, 9 ou 10 maximum. Donc les compétences clés, quand on dit compétences, c'est ce que vous savez faire avec votre tête, vos mains et vos pieds. C'est-à-dire, il faut être pragmatique. Au lieu de dire, par exemple, compétences management, management c'est un secteur, c'est un domaine de, scientifique, académique, etc. Mais vous dites, par exemple, analyse fonctionnelle de, je ne sais pas. Donc il faut vraiment zoomer sur quelque chose. Qui est faite au quotidien à l'entreprise. Votre expérience, si vous êtes fraîchement diplômé, votre expérience professionnelle, ce sont vos stages. Donc, vous allez commencer par la dernière expérience, votre mémoire ou votre projet de fin d'études. Il suffit pas de dire projet effectué chez telle entreprise, telle ville, mais il faut mentionner au moins 5 réalisations ou 5 activités que vous avez fait à l'entreprise. Et là, ça donnera vraiment une image de vous, une vraie image de vous, c'est-à-dire qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez réalisé, de quoi vous êtes capable. Donc, stage 1, stage 2, etc. Donc, il y a le projet de fin d'études ou mémoire pour les universitaires, c'est-à-dire le fondamental. Il y a le stage d'application de la deuxième année et stage d'observation. Chez les ingénieurs, parfois c'est appelé stage ouvrier. Après, on passe à la formation universitaire. Donc, comme j'avais dit au début, vous pouvez, c'est à votre convenance, soit vous commencez par le titre, etc., et vous commencez par formation universitaire, soit vous commencez par les compétences clés. Mais je crois que du moment que vous mettez dans votre titre Monsieur Y, XY, Master d'État en management, etc. Donc on sait déjà qui êtes-vous d'un point de vue académique. Donc c'est pour cela que moi, après, personnellement, je préconise que les formations universitaires soient mentionnées après l'expérience professionnelle. Parfois, je remarque dans des CV que des candidats ou des étudiants ou des gens qui travaillent déjà, dans la rubrique formation universitaire, ils commencent avec un MOOC, une formation de courte durée, ou même, ça c'est peut-être le cas extrême, il y en a qui ont commencé par parler de leur, comment ça, leur score en TOEFL ou en TOEIC. Là, c'est vraiment faux parce que les formations universitaires sont celles qui vous ont fait actuellement ce que vous êtes, c'est-à-dire là où vous avez investi beaucoup de temps, 3 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans, etc. Donc, il faut commencer par les formations universitaires où vous avez obtenu un diplôme universitaire. C'est-à-dire si j'ai une licence, je commence par une licence. Si après si j'ai un master, je commence par un master. Si j'ai eu un master après un doctorat, je commence par doctorat. Ou si j'ai eu une licence ou après un titre d'ingénieur, je commence par titre d'ingénieur. Donc, toujours commencer par les formations universitaires. Et après, vous pouvez ajouter une rubrique, les formations continues, c'est-à-dire tout ce que vous avez appris à côté de votre formation universitaire, c'est-à-dire des MOOC, des formations chez des cabinets, tout ce qui est développement professionnel, et bien sûr, ça viendra après. Ça peut aller même jusqu'à des formations certifiantes, Scrum Master, Project Management, PMP, etc. Donc, ça vient, il faut toujours prioriser les formations universitaires. Et puis après, il y a la formation continue, et là, c'est les certifications. Parfois, il faut parler de ses réalisations. Cette rubrique peut être attachée à la rubrique expérience. Qu'est-ce que vous avez réalisé dans votre vie? Soit en tant que salarié, soit en tant qu'étudiant. Par exemple, vous avez gagné le marathon de la ville de Casablanca. Vous avez développé une application dans un projet tutoré à l'école. Donc,
vous étiez, je ne sais pas, un membre d'une commission qui a, ou d'un comité qui a mis en place une solution au sein de l'entreprise. Là aussi, il faut le mentionner. Et enfin, il y a la partie, disons, passion, activité parascolaire, associative. Cette partie, elle est très importante, surtout pour les fraîchement diplômés ou ceux qui ont moins de 3 ans d'expérience, parce que c'est la partie qu'on pourrait appeler leadership. C'est là où on verra qui est la personne qui se cache derrière la personnalité. Vous êtes actuellement candidat, on voit votre CV. Mais quand vous parlez de vos passions, vos activités associatives, là, on découvre qui êtes-vous en tant que personne. Si vous faites de l'associative, c'est-à-dire community development ou entrepreneuriat social, des caravanes, de solidarité, etc. Donc, vous êtes quelqu'un qui peut aller faire des choses sans qu'on lui demande de faire. C'est que vous êtes quelqu'un de volontariste, vous êtes quelqu'un d'empathique, de citoyen. Donc, tout ça, ça reflète, il est reflété quand vous mentionnez vos activités associatives. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a fait de l'associatif, moi, je suis pas en train de dire que il y a que l'associatif, mais je voudrais juste utiliser ça comme exemple. Si vous êtes quelqu'un qui a fait de l'associatif, donc vous êtes quelqu'un qui, au sein de l'entreprise, aura l'esprit d'équipe, sera solidaire avec les collègues, prêtera de l'aide aux autres, qui va faire des heures supplémentaires. C'est quelqu'un sur lequel on peut compter. Donc, il faut jamais sous-estimer cette partie du CV qui est concernée avec qui traite de vos activités hors la classe. Je me rappelle qu'une amie recruteur m'avait dit que moi, je prends le CV, je commence à lire le CV du bas vers le haut. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'elle commence justement avec cette rubrique, activité, passion, etc. Si vous avez des passions intéressantes, par exemple, vous montez à cheval, là, vous faites de la pêche, ou là, vous faites du tricotage à la maison comme passion, là aussi, c'est une passion qui va refléter une image très positive pour vous parce que vous avez une passion, vous en êtes fier, vous savez comment en parler. Vous savez occuper votre temps, etc. Voilà. S'il y a des questions, je peux prendre des questions sur les commentaires. D'accord? Ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut pas faire dans un CV, bien sûr, on a parlé de la photo, il faut qu'elle soit professionnelle, etc. Il faut que le CV soit facile à lire, les rubriques claires et nettes, etc. Ce qu'il faut pas faire, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle mon CV. Il n'y a pas de CV unique. One size fits all, comme je dis sur les slides. J'avais appris qu'une personne mettait à jour son CV chaque 2 semaines. Donc, elle commence à chercher de l'emploi. Après 2 semaines, si elle n'est pas appelée à un entretien, elle change de CV. Donc, elle travaille sur le layout, elle commence à changer les rubriques, le texte. Peut-être, elle va dire que peut-être avec ce nouveau CV, donc, ça va marcher. Donc il n'y a pas un seul CV. Donc tout d'abord pour les candidatures spontanées, donc c'est vrai, on a tendance à envoyer un seul CV qui soit standard, général, etc. Mais pour les candidatures ciblées, il faut prendre le temps de mettre à jour son CV, surtout la partie compétences, etc. Il faut prendre le temps de mettre à jour tout ce qui est dans le CV et l'adapter à l'offre publiée. C'est-à-dire si vous êtes, parce qu'il y a des ingénieurs logistiques, je vois dans l'audience, si vous êtes par exemple ingénieur logistique, vous êtes aussi c'est-à-dire éligible de prétendre pour un poste dans les achats, dans la production ou dans la gestion de stock par exemple. Donc si l'offre elle est pour la gestion de stock, par exemple. Donc, votre CV, vous allez, dans la partie compétences clés, vous allez plus mettre en œuvre
ce que vous savez faire dans la supply chain, gestion de stock, gestion de flux, etc., les ERP qui vont avec le WMS, etc. Il y a des gens qui croient que leur CV, c'est quelque chose de très personnel, intime. Donc, je le montre à personne, etc. Donc, si vous refusez d'être accompagné dans votre CV, ça peut vous causer beaucoup de temps. Parce que, c'est-à-dire, même si vous donnez moi, je dis pas que vous devez toujours avoir à vos côtés un coach spécialisé, etc. Mais partager votre CV avec quelqu'un, ça peut être même quelqu'un qui n'est même pas universitaire. Vous lui dites qu'est-ce que vous pensez de mon CV. Et soyez sûr qu'il va en sortir beaucoup de choses. La dernière dans la rubrique, ce qu'il faut pas faire, il faut pas citer des compétences qu'on n'a pas. C'est-à-dire, pour être plus cru, c'est-à-dire mentir. On peut embellir, c'est-à-dire, on peut embellir, c'est-à-dire, mettre plus en avant des compétences qu'on n'a pas beaucoup touché à, mais mentir carrément à citer des compétences qu'on n'a pas, ça peut vous poser dans, ça peut vous mettre dans des situations assez embarrassantes. Je me rappelle que qu'un jour une personne m'avait appelé en plein jour. Elle est en train dans une situation très énervée parce que dans son CV elle avait mentionné qu'elle maîtrisait un outil. Et donc, elle a passé l'entretien. Dès que l'entretien est fini, on lui dit, très bien, cet entretien, c'est bon. Vous mentionnez que vous maîtrisez cet outil. Voilà ce qu'on vous demande de faire, c'est d'aller chez vous et de nous faire un travail avec cet outil et de le rendre demain. Et puis, la personne m'appelle, me dit, mais moi, l'étude, je l'ai juste mentionné comme ça. Je ne savais pas qu'ils allaient me demander de faire le travail. Et malheureusement, elle n'a pas été admise pour le poste. Donc, s'il vous plaît, soyez sûr que chaque mot que vous citez dans votre CV, vous en êtes responsable. Un recruteur peut prendre votre CV et poser n'importe question sur n'importe quelle phrase au mot que vous mentionnez. D'accord? Pas de questions sur le CV. Je passe à l'autre slide. D'accord? Voilà. Donc, l'évolution de carrière, comment ça se passe? Pardon. L'évolution de carrière. Est-ce que je peux avoir la prochaine slide? Badar, tu es là? Oui. Donc, pardon. L'évolution de carrière. Donc, il y a quatre scénarios dans l'évolution de carrière. Donc, il y a la mobilité horizontale, c'est-à-dire mobilité transversale. Donc, ça peut être une évolution au sein de l'entreprise où vous êtes actuellement. Un changement de poste de travail, changement de hiérarchie, etc. Donc, ce qu'on appelle la mobilité horizontale. Donc, c'est vraiment, vous restez peut-être dans votre grade, mais il y a un changement. On vous confie un projet, vous êtes affilié à une autre direction, notre département, etc. Donc, il y a la mobilité verticale, c'est ce que le salarié passe par un poste avec plus de responsabilités. Donc, c'est ce qu'on appelle traditionnellement une promotion en reconnaissance de vos efforts ou de vos réalisations et avec l'augmentation de salaire qui va avec. Il y a une mobilité géographique. Si vous travaillez pour une multinationale, un jour on vous demandera peut-être de vous expatrier en Afrique subsaharienne ou en Europe ou en Chine ou au Vietnam, etc. Donc, j'ai vu beaucoup de cas pareils. Ça peut également être une mobilité géographique au niveau national. Donc, il n'est pas recommandé de refuser une telle
opportunité d'être affecté à une autre région où vous pouvez peut-être avoir plus de chances, plus de chances d'évolution, etc. Et bien sûr, il y a la mobilité externe. Et là, c'est carrément quand vous changez d'entreprise. Bien sûr, c'est quelque chose qui se fait dans la réflexion, beaucoup d'analyse, etc. Avant de changer, il faut penser 1000 fois avant de changer. Il faut prendre ses précautions, s'informer sur l'entreprise, sur le poste, sur la personne qui va vous encadrer. C'est très important. Parfois, les gens changent pour de l'argent. Je dis pas qu'il faut le faire, mais il faut faire ce qu'on appelle due diligence, c'est-à-dire s'informer sur surtout moi, je dis, si vous êtes dans une entreprise, vous êtes contente, vous êtes N plus 1, c'est quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide à vous développer, qui est sympathique, qui vous ramène parfois du café au bureau ou les chérages. Donc, il vous encourage à devenir plus fort, plus performant. N'allez pas le changer vers un autre environnement où vous n'avez aucune idée. J'ai une question de Amin Hayran. Si vous voulez, pour un salaire qui poursuit ses études universitaires deuxième année, est-ce qu'il y a juste sur le CV ou pas? Moi, si Amin, est-ce qu'il ajoute sur le CV? Si vous êtes en exercice, si vous n'avez pas encore fini vos études, il vaut mieux ne pas le dire. Ça va pas rajouter beaucoup de choses. C'est-à-dire, moi je me dis, si Amine, il y a votre cas qui vous êtes en deuxième année, mais pour les gens qui font du doctorat, qui sont inscrits en doctorat et qui veulent postuler pour un poste pour un débutant. Là, il y a peut-être un petit risque, c'est que l'employeur va dire, moi, je vais employer quelqu'un qui est en train de préparer une thèse de doctorat, qui va lui consommer beaucoup de temps, et peut-être qu'il va venir au bureau au lieu de travailler, il va travailler sur son doctorat. Je préfère prendre quelqu'un qui n'a pas d'engagement académique. Moi, je crois que pour l'instant, même si vous êtes en veille sur le marché de l'emploi, vous êtes en train de postuler, et il faut mentionner votre dernier diplôme. Et si vous dites que vous êtes toujours en poursuite des études, ça va poser une problématique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas peut-être disponible. Donc moi, c'est-à-dire mon conseil, c'est d'ajouter jusqu'à ce que vous ayez votre diplôme. Vous êtes en deuxième année, ça sera la licence. Il vaut mieux être patient jusqu'à ce que vous ayez fini vos études. Ok, c'est Amine. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je passe à la prochaine slide. Personal branding. Là, j'ai pas beaucoup de temps, mais je peux parler pendant une journée sur le personal branding. Il y a des paroles qui sont répétées par des gens sur le fait qu'il faut dire faut se vendre. C'est-à-dire, moi, je fais du personal branding, je travaille sur moi-même, etc., pour se vendre. Mais l'objectif du personal branding, c'est la marque. Si vous voulez devenir vous-même une marque, on va vous reconnaître, c'est-à-dire, dès qu'on vous voit. Il s'agit pas de se vous vendre, mais de vous créer une identité professionnelle et une réputation. C'est-à-dire, vous vous appelez, je sais pas, Mourad. Vous êtes quelqu'un de compétent dans ces domaines. Et les gens qui vous connaissent, ils disent de vous que vous êtes quelqu'un de sérieux, ponctuel. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, etc. Votre réputation. Et là, sur la question du personal branding, ça, c'est aussi quelque chose qui se fait dans le digital. D'accord? C'est quelque chose qui se fait également sur le digital. Il y a des outils que vous pouvez utiliser qui sont gratuits. Par exemple, vous créez votre portfolio sur about me.ai.
MI.MI. C'est magnifique. C'est un site qui vous offre de l'espace. Parfois, peut-être le CV, c'est pas suffisant. Vous voulez parler de tout, partager des photos de vous en train de faire des choses dans l'associatif, dans des activités parascolaires, etc. Donc, quand vous créez votre portfolio sur Bafin.in, vous avez plus de liberté de parler de vous-même. Et vous pouvez même inclure le lien vers votre page sur votre CV si vous le désirez. Donc voilà, création de Batme. Faites très attention à votre présence online, ce qu'on appelle e-reputation. Moi, j'ai lu un jour que 80% des employeurs actuellement, 80% des employeurs actuellement, dès qu'ils reçoivent votre CV, ils courent vers Facebook pour vous voir. Parce que Facebook, c'est vraiment du pain béni pour le recruteur. Parce que non seulement ils ont maintenant le CV de la personne, mais ils ont la possibilité de voir qui vous êtes actuel. Sérieusement. Donc, une personne m'avait dit un jour dans une classe, mais monsieur, Stein Ajiba, ah non, c'est ma vie, je mets sur Facebook ce que je veux. Je lui ai dit, désolé, personne ne va contester votre liberté, mais si vous utilisez un discours, je suis désolé, un petit peu vulgaire ou des photos de vous dans des situations d'ébriété ou je ne sais pas, ou dénudé sur une plage, je ne sais pas, c'est la seule conclusion que la personne va tirer de votre photo, c'est que vous êtes quelqu'un d'irresponsable, vulgaire, etc., que vous ne méritez pas le poste. C'est-à-dire, vous n'allez pas me dire, moi, j'ai un compte LinkedIn professionnel, magnifique, mais sur Facebook, je fais ce que je veux. Tout ça, c'est tout lié. Votre activité sur tous les réseaux sociaux, elle est liée. Elle doit refléter ce que vous voulez que les gens pensent de vous. Qui vous êtes en réalité, c'est-à-dire une personne responsable, une personne gentille, une personne sociale, ou vous avez une photo d'amis en train de dîner, ça c'est magnifique sur Facebook, ça pose aucun problème. Mais sachez que votre activité sur les réseaux sociaux, c'est un seul bloc, d'accord? LinkedIn, ça se travaille. Soit vous avez un compte LinkedIn nettoyé, professionnel, présentable, soit il vaut mieux non pas avoir. Parce que si vous avez un compte LinkedIn avec une photo n'importe quoi, sans information, ça ne va pas vous aider beaucoup. Donc, sur LinkedIn, c'est votre image, bien sûr, professionnelle, ce que vous partagez, ce que vous likez. Tout ce que vous faites est retenu pour vous ou contre vous. Donc surtout, utilisez les grandes opportunités de LinkedIn pour faire la promotion de vos atouts professionnels. Ajoutez des gens. Si vous avez 1000 contacts sur LinkedIn, vous êtes débutant sur LinkedIn. LinkedIn, on commence à compter à partir de 5000 contacts. Et des contacts avec qui vous avez des affinités. C'est-à-dire, je vais pas être méchant, mais vous pouvez pas inviter quelqu'un ou se faire inviter par quelqu'un avec qui est très loin de votre domaine d'accent, parce que ça ne va pas servir à beaucoup de choses. Mais si vous êtes dans la formation industrielle, il est tout à fait normal que vous ayez invité à votre réseau tous les acteurs principaux de votre activité. Si vous êtes dans les RH, bien sûr, c'est plus ou moins c'est un monde plus RH qu'autre chose. La communauté RH, elle est très très présente sur LinkedIn.
Donc voilà, maintenant, je vais pas parler d'Instagram, etc. Sinon, on va pas en finir. Offline, donc ça, on a parlé de votre réputation online, digital, etc. Offline, c'est-à-dire dans la vie physique, dans la vie réelle. J'ai une question. Il y a Riyad Mitri qui me dit, je suis tout à fait d'accord avec vous pour la e-réputation. Je connais personnellement des cas d'échec de validation de bons profils suite à un constat d'agressivité de certains posts sur. Ah, c'est magnifique. Merci beaucoup, Riyad. Riyad est directeur logistique dans une entreprise industrielle. Donc, son témoignage, il est d'une grande valeur. Merci beaucoup d'avoir partagé ce Riyad. Oui, vous avez tout à fait raison. On est sur la même longueur d'onde. Donc, votre réputation offline, c'est-à-dire dans la vie réelle, elle est très importante également. Est-ce que vous avez un réseau où vous croyez que vous êtes quelqu'un qui peut faire tout seul? C'est impossible. Votre réseau, c'est ouais, c'est le piston moderne. Voilà ouais, le réseau. Le réseau, c'est le piston moderne. Vous avez la famille, le réseau, bien sûr, disons biologique. Donc, il y a la famille, la petite famille, la grande famille. Ça commence ici. Votre camarade d'école, vos collègues, etc. Et puis, l'affiliation à des clubs, des associations, toute affiliation. Même les affiliations en ligne, c'est-à-dire dans un groupe de professionnels sur LinkedIn, sur Adal Digital. Donc, aller à des rencontres, à des conférences, serrer la main des gens, donner votre carte de visite, parler aux gens, aller vers les gens, n'attendez pas que les gens viennent vers vous. Donc, moi, j'imagine que pour monsieur tout le monde, un jeune chercheur d'emploi, un jeune en poste, il doit avoir un réseau associatif, l'association des lauréats de son école ou de son université, l'association des professionnels, des gens qui s'intéressent au même domaine que lui, association peut-être du quartier ou de la culturelle. Là, il est en veille sur les événements qui se passent autour de lui. Il suffit de suivre les pages de. Par exemple, de l'AGEVE, les pages de la CGM, etc., s'inscrire dans les newsletters, vous recevez une invitation, vous habillez, vous mettez vos meilleures fringues, et puis vous allez vous présenter, parler aux gens. L'objectif du réseautage n'est pas vraiment d'avoir quelque chose dans l'immédiat, mais c'est d'avoir des amis, des gens qui peuvent compter sur vous et que vous pouvez compter sur. Donc, il faut pas croire que quand on va à un événement, une conférence, un séminaire, l'objectif c'est de gagner tout sur le temps. Mais il faut sachez que tous les gens qui sont dans cet événement, ils viennent avec les mêmes intentions que vous. Donc, ça doit être un réseautage win-win. C'est des gens sur qui tu pourras compter un jour, et c'est des gens également qui voudrait compter sur vous un jour. Dress for success, c'est peut-être ma dernière avant que si Badra me demande de finir. Peut-être, je ne sais pas si j'ai plus de temps. Donc l'apparence physique, dress for success. Les gens font, c'est-à-dire on dit que 80% du jugement qui est fait sur vous. Il est fait dans le 80%, il est fait dans les 2 premières minutes. Et là, ça inclut votre apparence physique. Et bien sûr, comment est-ce que vous avez entamé la discussion, etc. Donc, moi, l'apparence physique, il est d'une apparence extrême, surtout pour les gens qui sont en prospection. Moi, en fait, c'est en général, mais sachez que. Tout d'abord, pour avoir un bon look, c'est-à-dire, ça demande pas beaucoup d'argent. On peut avoir une bonne chemise, un bon pantalon à 300 dirhams, là même un peu moins. Donc, on peut être clean de l'eau et de savon. Je vais vous choquer peut-être un petit peu, excusez-moi.
Mais là, c'est quand on aime bien, on châtie bien, on dit la vérité. Parfois, les recruteurs, ils vous disent que quelqu'un est venu à l'entretien d'embauche et ils sont mauvais. Je suis désolé, je dois le dire. Je dois le dire, mais ça, je l'ai entendu maintes fois. Parfois, là, c'est les chaussettes. Je suis désolé, sans votre respect. Donc, l'apparence physique, si vous avez une barbe, bien nettoyez la barbe, bien prendre soin de la barbe. Si vous n'avez pas de barbe, n'allez pas à un entretien d'embauche ou à une rencontre ou même au quotidien avec une barbe de 3 jours, avec des cheveux comme n'importe quoi. Donc, c'est très important. Et comme je dis, ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Il suffit donc juste d'avoir la volonté de réussir. En plus, quand on est bien dans son physique, on est également bien dans son mental. L'avantage d'avoir une image de marque de soi-même, ce qu'ils appellent le personal brand, c'est l'authenticité. C'est-à-dire, vous devenez une personne authentique. Vous avez la confiance des autres. Vous êtes dans la logique de la poursuite de l'excellence. Pour LinkedIn, je reviens vers LinkedIn, peut-être pour le mot de la fin. LinkedIn, c'est très important. J'ai vu des gens briguer des stages, des emplois, etc. Vous avez des rubriques dans votre CV. Mettez-les sur LinkedIn. Les stages d'expérience professionnelle, réalisation. Ne les cachez pas. LinkedIn, c'est une opportunité énorme parce que non seulement vous êtes dans la logique de la prospection si vous êtes en pré-prospection, mais parfois les recruteurs, ils ont des algorithmes, ils utilisent des algorithmes, c'est-à-dire ils font usage des algorithmes LinkedIn pour trouver, pour chercher des candidats un profil bien précis. Donc là, vraiment, si votre compte LinkedIn est bien informé, etc. Donc ça vous aidera. Dans le titre, mettez votre nom, prénom, poste actuel si vous l'avez, et vous pouvez en rajouter quelques mots-clés parce que c'est à travers ces mots-clés qu'on va vous dénicher et peut-être vous allez recevoir des offres. D'accord? Voilà, je crois que mon temps est révolu. Je suis même passé à 50 minutes. Voilà, s'il n'y a pas plus de questions, je vous dis merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez peut-être une question, sinon, on se donne un autre rendez-vous, Inch'Allah, avec Khraïf Dar. Je voudrais terminer par remercier Badr et toute l'équipe de Khraïf Dar pour l'opportunité de rencontrer les jeunes. OK? Merci beaucoup.